Bonjour, bonsoir à tout le monde. J'espère que nous en forme. C'est Jemima numéro 4 là. Jeudi, je suis très content pour vous parler de nos spécialités pour le CAP. Département Nord, c'est un des départements pays d'Haïti qui est pour chef lieu CAP haïtien. C'est un département qui a un pile originalité touristique et un pile patrimoine culturel. Grâce à ça, tout, ça permet de gagner un pile ressources et attirer touristes locaux et internationaux. Pour nous-mêmes dans la ville au Cap, nous avons une façon de nous faire manger avec des spécialités qui sont propres à nous-mêmes. La cuisine capoise n'est pas trop différente de la cuisine générale du pays. Nous avons quelques petits détails qui font qu'il n'y a pas même genre. Tant pour je nous prépare à manger avec ça, nous blissons. Nous avons besoin de citer un seul mot pour l'idée de nous tout diriger sur le Cap, qui c'est moi. Nous ne pouvons pas prendre ça parce que dans l'idée, nous avons dit. Les gens qui habitent au Cap n'ont pas forcément natif natal au Cap. Qui viennent faire qu'ils tirent car on jamais mélangé. Mais ça pas empêché, je ne voudrais pas manger eux, permettre nous attirer un pile monde. Dans tant longtemps, les gens qui ont rentré au Cap, marchand qui te conduit à barrière yo, te mettez au nom ligne pour offrir mon yo cassave à noix grillées. Nous mettez noix dans un paquet de recettes. Tant que l'on a fait légumes, du riz avec jonjon, du riz riche, bouillon avec salade et la grille. Nous avons dit tout, nous avons pris un bouillon tête cabri. Nous conservons la salle chaque 24 à 25 décembre. La bra pour passer la caillon, nous avons pris soit 24 ou 25 décembre pour partager un bouillon. Nous avons dit tout, nous avons pris un ragoût. Ragoua qui c'est une sauce viande yo préparé bien presse bien gourmet pour manger à cassave yo kon bouilli en pile qualité vif à pato pour manger ou jwenn ragoua nan men presque tout marchand ka vann les soirs dans ville au Cap là. Nous ka di dès pour paraître au Cap ou pas ka perdre goût bouchou ou pas ka perdre appétit parce que là nous préparer manger pour c'est chita manger à quel content.